Compostelle saison 2, petit épisode bonus comme promis pour vous raconter une nouvelle magie du chemin. J'en ai eu plein l'année passée, tout est dans la playlist saison 1 et évidemment cette année sur Compostelle d'autres magies sont arrivées. Je vous racontais la magie des papillons dans une vidéo, je vous ai raconté la magie de l'épicerie qui arrive alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Et la nouvelle magie, c'est quoi? C'est que je marche sur le chemin, dans un sentier, et tout à coup, je me rends compte que j'ai plus ma casquette. Et là, je fais avec cette canicule, pas de casquette, c'est compliqué. Donc je me dis, j'ai dû la perdre sur le sentier là, donc je refais tout le sentier. Et à la fin du sentier, je me dis, si à la fin je ne l'ai pas trouvée, je laisse tomber parce que je ne sais pas où, je ne vais pas tout refaire dans l'autre sens. Et donc j'arrive à la fin du sentier, pas de casquette, je fais, oh là là. Bon, c'est comme ça, je m'adapterai. Et là arrive un cycliste. Je ne croise personne sur le chemin, quasiment jamais. Et là arrive un cycliste qui me dépasse du coup, parce qu'il va plus vite que moi. Et je fais, excuse me, you don't have you see a cap? A casquette, c'est un espagnol. Et il fait, oui, oui, à 50 mètres. Donc je me serais arrêtée si je l'avais pas croisé. Et j'ai récupéré ma casquette. Voilà, si c'est pas magique ça, vous en pensez quoi? Je vous embrasse.